Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nouveau projet de crowdfunding immobilier demain chez Upstone. Comme d'habitude, je vais analyser ce projet, je vais vous dire ce que j'en pense et je vais lancer les votes sur le club Bluer Sky. On est maintenant plus de 1200. Venez nous rejoindre, je mettrai tous les liens en description sur objectif-renta.com. Un projet simplissime, un projet d'achat de parcelles en région parisienne. On achète la parcelle, il n'y a pas de travaux, il y a déjà toutes les autorisations d'urbanisme. On découpe en quatre et on revend. On peut difficilement faire plus simple. Et en plus, il y a une petite surprise, c'est que si vous vous êtes inscrit chez Upstone avec mon code, le code Bluer Sky, code parrain Bluer Sky, eh bien, vous avez 1% supplémentaire, à savoir que les 12% se transforment magiquement en 13%. Ça commence à faire beaucoup pour du crowdfunding immobilier en France. 13%, on a rarement vu ça aussi. Si vous voulez vous inscrire sur Upstone et que vous voulez bénéficier du 1% supplémentaire, mais uniquement sur ce projet, il faut leur demander à eux. Hein, faut, voilà, c'est pas, moi, je ne suis pas support d'Upstone. Hein, m'envoyez pas 10 emails en réclamant vos 1%. Hein, c'est réclamer à Upstone. Donc, vous faites pareil. Hein, vous inscrivez, vous mettez votre email ici, vous cliquez sur OK. Et puis, côté site d'Upstone, vous mettez Bluer Sky et vous aurez vos petits 1% supplémentaires. C'est pas négligeable. Ticket d'entrée, 100 euros. Hein, je le rappelle sur Upstone. Alors. Le projet Soindre. Alors, achat parcelle de 10 648 mètres carrés. Elle est située où? Elle est située, comme le nom l'indique, à Soindre. Soindre, c'est dans les Yvelines. Alors, moi, j'ai vécu 17 ans de ma vie, les 17 premières années de ma vie dans les Yvelines. Pourtant, je ne connais pas Soindre. Soindre, c'est là. C'est à 6 km de. 6 km. Non, même pas. Je vois Mantes-la-Jolie. Pourquoi je dis 6 km? 2 km de Mantes-la-Jolie. Ouais, 2, 3, allez, 4 km de Mantes-la-Jolie. Et c'est situé, allez, par rapport à Paris, on est à combien à vue de nez? Allez, 10, tac, 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 40. 40, à peu près entre 40 et 50 km de Paris. Voilà. Donc c'est la banlieue parisienne, c'est la deuxième couronne. Donc voilà. Alors 10 600 mètres carrés. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ces 10 600 mètres carrés? Eh bien, il y a une grande propriété, deux apprentis, une maison d'habitation. On va regarder les photos, mais en fait, vous allez voir que moi, j'analyse ce projet simplement comme une vente. Ah tiens, il y a un terrain de tennis aussi. C'est un terrain de tennis? Il y a un terrain de tennis ici. Mais je pense qu'il ne fait pas partie du bien. Voilà, donc on divise, on revend. Alors sur les quatre lots, il y en a déjà deux qui sont sous offre. Donc si on considère que des offres d'achat, c'est de la pré-commercialisation, on est pré-commercialisé à 28% sur cette propriété, sur ce projet. On ne sait pas malheureusement si les offres d'achat sont avec ou sans conditions suspensives d'obtention de prêt, par exemple. Ça aurait été bien de savoir ça. Voilà. Donc là, ça dépend de la sensibilité de chacun. Voilà, 28% pré-commercialisé. On va aller voir maintenant le prix d'acquisition. Parce que moi, j'analyse ce projet en fait plutôt comme si on achetait un terrain et qu'on le découpait, qu'on le revendait. Donc, je ne vais pas prendre en compte vraiment la propriété, etc. Surtout, on n'a pas trop d'informations. Vous allez voir que c'est pas gênant en fait. 10 648 mètres carrés, et on paye ça combien? On paye ça 1 178 750 euros. OK? Alors, j'ai divisé. On va aller diviser 1 178 750 divisé par le nombre de mètres carrés, 10 648. On est à 110 euros du mètre carré. Je répète, 110 euros du mètre carré. Alors, on est ici sur les prix des terrains. Donc, je suis allé rechercher les estimateurs de prix de terrain. D'ailleurs, ce serait bien. On va faire progresser Upstone. Ce serait bien que Upstone mette les estimations directement en fait, sur le site. Comme ça, on n'aurait pas à faire le boulot. Donc, prix moyen, 110 euros du mètre carré. Bon, ça n'existe pas en Île-de-France. Ou presque pas. Vous voyez, on est ici. Donc là, je suis sur terrainconstruction.com avec des estimations. Donc, dans les villes qui sont juste à côté. Donc j'ai mis Soindre ici en moyenne. Alors évidemment, hein, c'est un peu plus volatile que les prix. Et puis il y a moins de données, il y a moins de liquidités sur le marché des terrains. Mais tout de même, quand même, 110, ça n'existe pas. On est en moyenne, en fait, on est entre 200 et 250 euros pour le prix d'un terrain dans la zone.
Autant dire qu'on a acheté, alors ça c'est mon estimation, hein, ça c'est mon analyse, mais on a acheté très très en dessous du prix du terrain. Ce serait d'ailleurs intéressant de savoir comment ils ont fait pour acheter à ce prix-là, comment ils ont fait pour acheter en Île-de-France à 110 euros du mètre carré. Alors s'il y en a qui sont spécialistes des terrains, si vous connaissez Soindre, etc., mettez en commentaire, venez sur le club me dire par rapport à cette évaluation du terrain, ça me semble vraiment, vraiment pas cher. Je crois que de tous les projets de crowdfunding, je pense pas qu'on ait vu des prix en dessous de 100 euros du mètre carré en France, c'est vraiment très, très faible. Donc 110 euros, qu'est-ce qu'on fait avec 110 euros? Est-ce qu'on fait des travaux? Non. Est-ce qu'on construit quelque chose? Non, on ne fait rien. Est-ce qu'on viabilise les terrains? Non, on ne fait rien, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à découper et à revendre. Alors, on regarde un petit peu le cadastre. Je suis allé rechercher aussi sur cadastre.gouv.fr. C'est la parcelle AA131. Vous pouvez la retrouver sur. Bon, voilà. C'est une sorte de trapézoïde comme ça. Bon, rien de spécial. Hein. C'est juste pour vérifier que la parcelle était bien identifiée. Donc, ça, j'ai fait ces vérifications sur cadastre.gouv.fr. Donc voilà, donc on achète, on découpe et on revend. Alors prix de revente, on est sur 191, 1 million, pardon, 1 910 000. Donc 1 910 000, on va regarder le prix de sortie, 1 910 000 divisé par 10 648. 10 648. On est à 179 euros du mètre carré et encore une fois on est vraiment en dessous. Pour moi c'est vraiment l'objectif il est très très pessimiste. Hein. En plus il y a des choses qui sont construites sur ces lots. Vous voyez en plus ils ont mis la lot bâti non destinée à être démolie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des projets de démolition peut-être derrière. Il va y avoir d'autres projets de marchands de biens qui vont constituer peut-être à rénover en fait les maisons d'apprentis, les propriétés, etc. pour derrière refaire une plus-value. Là c'est vraiment c'est vraiment en dessous du prix de marché. Je ne sais pas comment ils ont fait pour acheter à ce prix-là. Et pareil pour la revente, c'est pour moi c'est en dessous. On a combien de marge? On a une marge, vous voyez en plus, on a une marge de 15%. Donc c'est une marge qui est assez confortable, mais je vois pas comment on pourrait ne pas arriver à revendre à ce prix-là. Voilà, c'est un projet qui va durer combien? Qui va durer 12 mois. Voilà, un an. À 12% plus 1% avec le code Bluer Sky. Voilà, on peut regarder un petit peu la loan. On va calculer la loan to sale. Donc, loan to sale, on prête 1 200 000. Et j'oubliais le plus important, la garantie. Avant de calculer la loan to sale. Garantie, donc donc on prête 1 200 000. Et le bien. On a une fiducie dessus qui est une des meilleures garanties. Hein. Vous allez sur mon lexique de garantie, je vais vous montrer un petit peu après. On a une fiducie en fait, on est bénéficiaire d'une fiducie à hauteur de 1 178 000. Autant dire que 1 178 750, c'est-à-dire si jamais ça se passe mal et qu'on arrive à revendre, et voilà, qu'on est bénéficiaire de la fiducie et qu'on revend en fait le bien, bah, et qu'on le revend au prix où il a été acheté, sachant que pour moi il a été acheté vraiment très en dessous du prix de marché, on est quand même couvert sur notre capital à 98%. Alors on a eu un autre projet récemment, je crois que c'était Baltis, où on était couvert à 100%. Ça c'est des projets, tout ça c'est des projets magiques. Quand vous voyez que le montant que vous prêtez c'est le montant d'acquisition et que derrière vous avez une hypothèque de premier rang ou une fiducie. Déjà, ça veut dire que la note que je vais donner, ça va être minimum B ou A. Voilà. Minimum, ça va être B. On ne peut pas aller en dessous sur ce type de projet. Avis à toutes les boîtes de crowdfunding qui font des projets, mettez-nous des hypothèques de premier rang ou des fiducies dont le montant d'acquisition, le prix d'acquisition, c'est le montant à collecter. Voire avec les intérêts, si vous pouvez. Couvert à 120%, c'est encore mieux. Voilà, alors on revient sur la loan to sale. Donc loan to acquisition, on a compris, c'est à peu près 100%. Loan to sale, donc on prête 1 200 000 et on sort à 1 900 000. Donc allez, on va faire vite fait. 1 million 2 divisé par 1,9.
Okay. On est à 63%, donc en dessous de 70%, ça va se considérer comme des projets qui ne sont pas très très risqués. Sachant que, attention, hein, ça c'est basé sur une estimation de prix de sortie, mais que cette estimation de prix de sortie, pour moi, c'est un objectif qui est pessimiste. Voilà. Parce que on est en dessous de 200 euros du mètre carré sur un terrain en Île-de-France. Voilà, petite note sur l'opérateur qui est. Alors, allez rechercher les opérations sur l'opérateur, etc. Alors là, c'est dommage, j'ai pas, par rapport à la santé de l'opérateur, on aurait aimé avoir les bilans 2022. Voilà, toujours, je le répète, hein, je continuerai de répéter jusqu'à ce que toutes les boîtes de crowdfunding du monde nous fournissent les bilans, les comptes de résultats à jour pour qu'on puisse regarder ça. Néanmoins, c'est un opérateur qui, voilà, vous voyez, il a financé 8,6 millions d'euros d'opérations remboursé 4,9 maintenant sur Upstone. Donc disons que c'est un partenaire historique d'Upstone. Voilà. Donc c'est pas sa première opération, loin de là. Donc on a toutes les opérations qui sont ici. Donc allez voir, allez faire votre boulot un petit peu, allez voir s'il y a du retard sur ces opérations ou pas, et venez mettez en commentaire, ou encore mieux, venez sur le club pour en discuter. Voilà les amis, bah écoutez, très très bon projet pour moi, hein, ça fait partie des bons projets. Je vais pas lui mettre un A, parce que j'aurais mis un A s'il y avait eu une belle pré-commercialisation, mais bon, il vaut un B+, il vaut un B+. S'il y avait eu de la pré-commercialisation sans conditions suspensives avec au moins 50%, bon là, c'est clair, il aurait mérité un A. Il est pas loin. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.